Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Bonjour mes amis, je suis au sud du Portugal, ce sont des reportages que vous verrez bientôt, et je laisse la parole à Aurélie parce que c'est elle qui a eu l'idée de l'émission de ce soir. C'est à toi ma cocotte. Alors voilà, l'idée que j'ai eue, c'est de faire un best-of de l'année, l'occasion pour les nouveaux de découvrir Camping Car TV. Alors Lolita, c'est notre mascotte. Et elle a une vue de choix sur les yourtes. Donc on a fait venir des yourtes, véritables yourtes venant de Mongolie. Donc on a trois yourtes, une yourte romantique, deux yourtes familiales, donc qui peuvent accueillir jusqu'à 5-6 personnes. Alors parlez-moi de la yourte que vous m'avez fait visiter. Alors ça c'est la yourte rouge, enfin pour nous c'est une des plus belles, donc c'est une yourte qui fait 35 mètres carrés, véritable yourte mongole qui vient d'à côté d'Oulan-Bator. On en a fait venir deux au démarrage, donc deux grandes, une orange et une rouge, et celle-ci elle est personnalisée vraiment avec des meubles de Mongolie, tout vient de là-bas. Le visiteur met un casque? Oui, tout à fait. On descend dans la mine. L'idée, c'est de se mettre tout à fait, de se mettre dans la peau des mineurs, de suivre le parcours que les mineurs pouvaient emprunter sur le site de cette ancienne fosse. On met un casque et c'est parti pour la descente et la visite des chantiers d'exploitation dans les galeries. Et alors, quel magnifique endroit, enfin, vous allez être très vite populaire dans le réseau France Passion. Mais j'espère bien, et on l'est déjà un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en début de saison qui nous ont dit qu'ils étaient très très bien, bien dans l'emplacement des camping-cars, bien accueillis au niveau aussi de la boutique, du musée et sur le domaine de la Vandalis. Et à partir de là, ils nous ont dit, je vais mettre un article sur France Passion, un commentaire sur le site, donc ils sont déjà très très contents les gens, il y a des gens qui reviennent déjà. Alors votre femme a inventé des recettes absolument incroyables. Elle aime la création. Beaucoup à base de plantes, hein. Aujourd'hui, oui. Depuis quelques années, c'est... Des escargots bleus et aux soucis, aux roses. Voilà. Au thym, à la mandarine. Au naturel, en sauce pour faire des cassolettes, en pâté, pour faire des toasts, en mousse. Et aussi, bien sûr, farci traditionnellement, beurre, persil, ail, échalote. Ouais. C'est alors, pas un parc d'attractions, c'est quoi? Alors, c'est ni un parc d'attractions, ni un parc à thème, vraiment. C'est vraiment une création pure, un concept qui n'existe qu'ici en Bretagne et à Janzé. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle du loisir immersif, c'est-à-dire qu'on te plonge dans des décors scénarisés, et l'acteur du décor, c'est le visiteur. Donc, c'est lui qui va construire son histoire. Il doit réaliser une enquête au travers des 12 univers, en résolvant des énigmes, en parcourant des labyrinthes dans lesquels il y a des portes secrètes, des portes codées à ouvrir, retrouver un jeu familial comme on avait dans le temps, où on était autour d'une table, on jouait tous au pendu, etc. Et il y avait vraiment quelque chose qui se passait, une osmose dans la famille, quoi. Donc on a voulu retrouver ça, mais en gardant le goût de l'aventure et puis le dépaysement. Il faut réfléchir. Un petit peu. We'll be right back.
Après le JT de la semaine dernière, nous sommes restés au salon jusqu'au lundi matin. Oui, c'était une première pour nous. Merci à l'organisateur du salon, on a beaucoup appris. C'était l'occasion de vous rencontrer en vrai. Merci à l'association Les Amis du Jeu Optimiste et à son président, Alain Berman, qui pendant 10 jours, avec tous les autres, nous a permis de tenir ce stand et de vous faire un peu mieux connaître Camping Car TV. Et puis, ça a été l'occasion de rencontres, ça a été l'occasion de partager des bons moments conviviaux, un magnifique jarret dans cette très belle petite enseigne, le jambon à la broche, tenue par cette dame-là, qui a l'œil sur tout, qui veille sur tout, et qui a un très beau sourire. Merci, madame, pour votre professionnalisme. Tout savoir sur le camping-car, et finalement, la première question qui se pose, c'est que va-t-on choisir, parce qu'il existe 4 sortes de camping-car. Oui, tout à fait. Effectivement, sur le marché à l'heure actuelle, on a 4 types de véhicules qui sont, pour commencer, le fourgon aménagé. Ensuite, on a le profilé, c'est un des véhicules qu'on voit le plus sur nos routes. L'intégrale, qui est déjà quelque chose de beaucoup plus majestueux. Et enfin, le véhicule que tout le monde a à l'esprit quand il pense camping-car, c'est-à-dire que la Capucine. 12, saucisse voilà. Fraîche. Saucisse fraîche, tout à fait. Et puis du bon confit, évidemment, du confit de canard ou d'oie, selon la saison et selon les goûts. Et à partir de là, bien sûr... Des petits lardons aussi, des gros lardons. De l'échine de porc. De l'échine de porc, attention. Et des couanes, évidemment. Grand Chambellan. Oui. Et des adresses qu'on peut trouver sur votre site internet, voilà, dont le nom s'affiche actuellement sur l'écran. À proximité de l'aire de service, parce que vous êtes vraiment dans la ville, et bien vous passez sous un porche très beau en pierre et vous arrivez directement dans un établissement où vous devez absolument aller voir le propriétaire. Alors Georges Durand, on est où ici? À la Rassou. Et vous faites quoi, vous? Et nous, avec le fils, on fait du vin. Du vin des Corbières? Des Corbières, du rouge et du rosé. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Et je pourrais vous dire de le deviner, mais vous vous tromperez. 92 et demi. C'est surtout son slogan qui m'intéresse. Généreux, curieux et respectueux. Bien, il faut que nous soyons nombreux pour le motiver à venir nous voir à tel ou tel endroit. Donc préparer son accueil, préparer les lieux intéressants, en fait que chacun puisse apporter ce qu'il aime. Si vous êtes constructeur et que vous souhaitez que le Géoptimiste vous rende visite, inscrivez-vous sur le formulaire pour participer à l'émission sur le site web Camping Car TV. Voilà, mon idée, c'est de venir vous rencontrer, montrer la passion qui vous anime. Et puis, c'est l'occasion, au passage, de faire du tourisme en camping-car.
Et voilà comment nous nous sommes retrouvés à Peñíscola, au pied de la citadelle. Et nous n'étions pas seuls ce soir-là, en plein novembre, à profiter de la température agréable et des derniers rayons du soleil devant un parterre de mouettes. Une chaîne tractée un peu comme dans l'automobile, c'est-à-dire qu'on accroche les véhicules à une chaîne, physiquement une chaîne, qui passe dans le sol et qui c'est vient tirer. Voilà, c'est la chaîne qui avance. Ouais. Et ça sonne à intervalles constants et on vient tirer d'un seul coup 25-26 véhicules. Très voilà, qui avancent. C'est assez impressionnant. Et pour les gens qui n'ont jamais vu, c'est assez impressionnant. Et entrer dans le rêve. Dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de mecs, et pas toujours honnêtes. Mais alors, un gars comme lui, ça, tu peux me croire, j'ai jamais vu ça. Por qué te vas? Pourquoi tu pars en français? Pourquoi tu pars? Peu de gens le savent, mais l'une de mes motivations aussi, c'est, en filmant la route, de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, de faire un bout de chemin.